Vous connaissez cet homme? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça! Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontre avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport, Girostar, c'est maintenant! Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un mec exceptionnel. Il a deux facettes, il est à la fois sportif de haut niveau, artiste, il a tout gagné, c'est du handball, c'est Lucas Ballot. Pour commencer, je vais te mettre un petit son sur les oreilles. C'est mon son. Hein. Tu le kiffes? Ouais, je le kiffe. Tu connais ou quoi? Hein? Tu connais ou quoi? Ah ouais, Kerry James. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants banlieusards. Facile? Ouais. Par contre, le titre, c'est... Banlieusards. Ouais, banlieusards. Côté de chez moi, il est d'Orly. Ah, il est d'Orly, côté Orly, de chez toi. Ivry, c'est pas loin. Ouais, donc quand j'étais petit, j'écoutais de la Mafia Capri, ouais, tu sais, les sons de... Tu veux te craquer ou quoi? T'es en train de dire que je suis à ville? Fais attention à toi, fais attention à comme tu parles. Luc, ouais. On n'est pas loin des Jeux Olympiques. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous allez chercher aux Jeux Olympiques de Londres? Bah, déjà, on va chercher la plus belle médaille. Mais on sait que pour ça, on a pas mal de boulot pendant la préparation. On sait qu'on fait partie des favoris, mais qu'on a encore tout à refaire parce qu'on s'est un peu raté pendant l'Euro en janvier. Tactiquement, on n'a pas bien bossé. Et là, pendant la préparation, là, on a déjà fait 10 jours de préparation. On a travaillé que le physique et à partir de maintenant, on va travailler le tactique. Je pense que tu as regardé les Jeux depuis que tu es tout minot. Est-ce qu'il y a une image des Jeux qui t'est restée et qui t'a marqué? Une image des Jeux, moi, je me souviens de Jordan, la grosse équipe... La Dream Team. C'est clair, avec, la vraie. Ouais, avec Jordan. Et en fait, Jordan, il me faisait rêver, mais c'était en quoi? C'était 92, pardon. Il y a quelque chose chez toi qui commence à être connu. Hein. Tu es aussi un sacré artiste. Quand t'as pris cette passion pour la peinture? En fait, j'ai toujours dessiné. À la base, je prenais des cours de dessin avant même de faire du hand. Moi, j'ai commencé le hand à 14 ans et à 12-13 ans, je prenais des cours... avec la municipalité d'Ivry, des cours pas chers, accessibles à tout le monde. Et c'est un truc qui est toujours resté. Et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au dessin, à la peinture. Et depuis que j'ai 18-19 ans, je peins, je dessine beaucoup. Donc je passe beaucoup, tout mon temps libre quasiment à dessiner, à peindre. On va finir sur ton son. Bon, en ce moment, j'écoute un son de Lloyd. Ça fait... Le titre, c'est Shake... Bon, je sais pas... Bref, en anglais, Shake quelque chose. Ouais, Shake quelque chose. Et il est pas mal. Tu vas me le faire écouter. Allez, hein. C'est parti. Et tu vas kiffer, hein, moi je te préviens. Hein. Au revoir. Luc, je te remercie. C'était un plaisir de t'avoir. On te souhaite avec tous nos téléspectateurs le meilleur et on va suivre cette belle équipe de France de handball. Faites-nous rêver. Y'a que ça à dire. Merci. Merci, frère. Allez, ciao.